Bonjour mes nains et papillons en devenir. Alors aujourd'hui, bon déjà on est le 95e jour de mes petites vidéos, de mes 365 jours. Donc je suis super contente. Là j'approche. Je dois approcher des 300 vidéos du coup parce que j'ai fait deux défis de Lilou et puis celui-ci. Donc voilà quoi, c'est vraiment waouh! Super! Donc ça fait presque un an déjà que je fais les vidéos. Donc génial, super génial. Ben, je suis toujours aussi dispersée. Hein. Vous voyez que je suis toujours aussi entre les e, les donc et mon regard qui regarde à l'extérieur. Ben voilà, c'est moi, c'est comme ça. Et je ne pense pas que mes vidéos changeront d'ici peu. Donc voilà, ça c'était une chose. Alors, ce que je voulais quand même dire, un petit mot par rapport à moi et ce défi, puisque j'ai quand même plein de nouvelles personnes sur la page. Et donc, ben voilà, je pense que je devrais peut-être quand même leur expliquer l'idée de ces petites vidéos et de ce que je prépare, parce que, ben voilà, je pense qu'elles sont en courant. Donc, alors, ce que je voulais, ben voilà, je suis Nathalie Delin. J'ai eu cette idée lors de mon anniversaire l'année passée, après deux défis de Lilou Massé, de 100 jours de Lilou. Et donc, l'idée, c'est ben, du tour du monde au retour vers soi. C'est mon projet. C'est mon bébé qui est occupé de naître. Et de la nymphe au papillon en 365 jours, c'est l'idée de l'évolution de mon projet et de ce que je mets en place. Ben voilà, l'idée du cocon qui devient papillon et qui s'envole. Ben là, c'est clair, quoi. Voilà. Et donc, depuis déjà 95 jours, donc 95 pour mes amis français, le projet avance. Voilà. Vous me suivez et ce qui arrive, ben, vous prenez en cours de route. Mais voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont évolué et qui ont avancé. Et là, ben voilà, il y a énormément de choses qui sont occupées de se mettre en place. Donc aujourd'hui, ben voilà, je suis en retour de voyage, de préparation justement de ces projets de voyage. Et ben, j'ai un peu de mal, peine à me mettre en route aujourd'hui. Il faut dire qu'en plus, c'est l'anniversaire de mes enfants, de mes deux enfants aujourd'hui. Donc, je leur ai laissé un petit mot sur ma page perso et j'étais pleine d'émotions ce matin, forcément. Voilà, c'est quand même. Ben voilà, c'est mes petits bébés qui sont vachement grands maintenant et donc ça, waouh, on prend un petit coup de vieux quand même. Et puis, ben oui, quand même, quoi. Ils sont grands et indépendants et voilà, ils font plein de merveilleuses choses, c'est des merveilleux enfants. Donc voilà, je suis super contente et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire aujourd'hui? Ben voilà. Oui, je suis quand même un peu bloquée. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me mettre en route. Et en même temps, j'attends des informations de personnes et je ne les ai pas. J'arrive pas, voilà, j'ai du mal à les contacter et j'ai pas de retour. Donc voilà, ça m'ennuie un peu parce que ça me bloque un peu. Donc ben voilà où je suis aujourd'hui. Donc, mais ça va passer, ça va se mettre en place et je suis sûre que voilà, j'ai de toute façon fait ma liste de choses que je dois mettre en place, comme je vous le disais hier que j'étais un petit peu devant cette montagne. Donc j'ai quand même commencé à gravir la montagne. Donc ma liste est faite et ben voilà, j'ai l'évolution de ce que je dois mettre en place et donc comment je dois faire pour mettre ça en place.
et la durée que j'ai, le temps que j'ai pour le faire. Donc ça va, c'est moins pire que je ne pensais. Mais bon, voilà, je dois remonter les manches et mettre ça en place. Donc je me laisse encore aujourd'hui souffler un peu et voir un peu si je peux contacter les personnes que j'ai besoin de contacter. Et puis ben voilà, et puis demain je peux mettre ça en place. Déjà commencer à avancer un petit peu dans ma liste. Donc ben voilà, tout ce que je voulais vous partager. Donc je vous retrouve demain. Je vous embrasse.